أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إنما يتذكر أولو الألباب. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أما بعد. On continue dans cette lancée de parler de la croyance en Allah, parce que qu'y a-t-il de plus beau que de se rapprocher de lui? Vous savez, la croyance en Allah et la spiritualité n'est pas simplement une question de ressenti, de ce que tu ressens durant ton adoration ou quoi que ce soit. C'est avant toute chose faire ce qu'Allah aime. T'as vu, j'ai pas dit faire ce que toi tu aimes. Je ne t'ai pas dit ressentir des choses extraordinaires dans ta prière ou dans ton siyam. Ne te centre pas sur toi. La vie du musulman n'est pas centrée sur lui-même. Elle est centrée sur la volonté de notre Seigneur et sur ce qu'aime Allah subhanahu wa ta'ala. Pas ce que toi tu aimes, mais ce qu'Allah azza wa jal aime. Et j'ai une bonne nouvelle pour toi. Ce qu'Allah aime va combler tous tes besoins. C'est bon ? Ça c'est le cercle vertueux, inshallah. Allah subhanahu wa ta'ala nous donne le sens de nos vies. Il nous dit « وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ » Ce qui signifie « Je n'ai créé les djinns et les hommes que dans un seul but principal. » Et vous verrez que ce but principal va englober plein d'autres. Pour un but principal qui est d'adorer Allah Azza wa Jal au sein de l'unicité absolue. Je n'ai créé les djinns et les hommes que dans un seul but global, qui est celui d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala en concrétisant cette adoration par l'unicité absolue d'Allah azza wa jal. C'est quoi l'adoration? Parce que ça, c'est une question profonde. Qu'est-ce que l'adoration? Qu'est-ce qu'Allah azza wa jal veut dire ici? Si moi, par exemple, je fais simplement mes 5 prières par jour et qu'en dehors de la mosquée, je suis dans la mosquée un musulman, je fais attention à ce que je dis, à ce que je fais, je suis un modèle. Mais lorsque je sors de la mosquée, je suis dans une autre dimension. Et il n'y a que lorsque je me tourne vers Allah dans mes prières que je suis un musulman, cela signifie que 90% du temps, je n'agis pas comme un musulman. Je ne vis pas comme un musulman. Rappelez-vous d'une chose, mes frères et sœurs, Allah n'a pas besoin de nos prosternations. Allah n'a pas besoin que nous nous privions de nourriture pendant Ramadan. Allah n'a pas besoin que nous tournions autour de la Kaaba 7 fois et que nous fassions l'aller-retour 7 fois entre Safa ou Al-Marwa. Allah n'a pas besoin de nos adorations. C'est une miséricorde de sa part qu'il nous donne. Il a codifié des actes pour qu'on puisse clamer sa grandeur et obtenir une récompense. Tout ça, c'est une miséricorde. Comprenez une chose, que la prescription des prières obligatoires, c'est une miséricorde de sa part. Il nous a donné le moyen de pouvoir rentrer au paradis. Mais ce n'est pas extraordinaire, ça. Et l'ibada, l'adoration, ça vient de abada. Aplatir son âme pour pouvoir s'élever par le rapprochement d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'ibada ne se fait pas simplement lors de la prosternation ou lors de la génuflexion ou alors lors de la lecture du Coran. L'ibada, l'adoration, se fait à chaque instant de nos vies par l'intention sincère, par le rappel d'Allah, le dhikr dans nos vies, par les choix que tu fais. Quand tu choisis un métier halal, tu as adoré Allah. Quand tu t'éloignes d'un métier haram, tu as adoré Allah. Lorsque tu choisis une femme pieuse ou lorsque tu choisis, ma sœur, un homme pieux, tu as adoré Allah. Lorsque tu élèves tes enfants dans le modèle de la sunna au niveau de leur éducation, tu as adoré Allah. Lorsque tu fais un sourire à ton frère ou à ta sœur, les sœurs, les frères, commencez pas à mélanger les sourires bizarres. Quand tu fais un sourire à ton frère, toi mon frère, ou à ta sœur, toi ma sœur, tu as adoré Allah Azza wa Jal. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le sens, le sourire que tu offres à ton frère, laka sadaqa. C'est une aumône pour toi. Le salam que tu vas donner, c'est une adoration. Ayons une vision globale de l'adoration. Les invocations que tu vas faire pour tes frères et sœurs qui sont en difficulté, c'est une adoration. Soyons des adorateurs d'Allah Azza wa Jal, 24 heures sur 24, à travers nos intentions, à travers notre droiture. Et ne soyons pas des consommateurs qui se tournent vers Allah Azza wa Jal 5 fois par jour, sans avoir rien dans le cœur. Qu'Allah nous donne des vies d'adoration, Ya Rabbal Alameen. Nas'alullah an yubarik fi ilmina, Ya Rabbal Alameen.
هذا وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ.